On a tenté pas mal de choses. Hop, je vais là, mais il est trop solide. Je vais tenter là ici, mais il est trop solide. Je galère, j'y arrive pas. Je me dis, ok, je vais tenter de passer sur mon 6 or. Bam, il est trop solide, j'y arrive pas. J'insère pour arriver sur ma mi-garde. J'arrive sur ma mi-garde. Et là, je maintiens cette notion-là. D'accord, pour l'instant, pour pas qu'il revienne vers moi. Et surtout, il me fasse un crossface qui pourrait être problématique pour moi. Et après, vraiment me mettre en galère de chez galère. Donc, je suis là, même si je suis dos ou seul, dans un premier temps, je vais faire attention à ce bras-là. Et surtout, je vais me redresser. Ce qui fait que quand je suis redressé, là, s'il veut tenter un crossface, c'est quasiment dead. D'accord? Après, deux choix. Soit vous lâchez direct, vous rentrez en underhook. Soit vous maintenez et vous décalez. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je crois que spontanément en combat, je vais plutôt faire ça. Mais parce que j'adore cette posture-là. D'accord? Et après, je rentre mon hook en intérieur. Ce qui fait que j'arrive sur une half butterfly. Et là, je ne vais pas y rester. Pour l'instant, vous ne bossez pas half butterfly, vous bossez butterfly, qui est une garde ouverte en papillon. D'accord? Vous avez vu que je suis toujours sur le même flanc. Je suis sur mon flanc gauche, c'est ma fesse gauche. Ma fesse droite, elle n'a pas en contact avec le sol. On est d'accord? Underhook, je suis là. Si je veux, je peux prendre au niveau du col. Sinon, je prends classiquement ici. Je reviens, je vais aller chercher, l'emmener dans cette zone-là. Je répète, dans cette zone-là. Si je veux emmener quelqu'un dans cette zone-là, je dois retirer quoi chez mon partenaire? Ok. Donc, je suis là. Je vais choper. Là, logiquement, je suis pas mal. Ok, vous avez vu qu'en plus, sa posture, elle est désaxée, cassée. Ça me permet de bosser. Là, l'erreur que beaucoup ont, c'est ma jambe est forte. Je vais le lever et je vais le kicker. Ce qui ne marche pas. D'accord? Donc, je suis ici. Je suis là. Et je vais mettre en dessous. Je suis sur mon épaule. Donc, ce sweep là, c'est un sweep de corps. C'est tout mon corps qui bouge. Je bouge, je vais chercher mon épaule. Épaule, épaule, épaule. Vous avez vu, mon pied est toujours en cale. Et là, je peux revenir. Donc, mon mouvement à vide, c'est ça. Je reviens en quadrupédie. Je ne fais pas autre chose. Donc, je suis là. En interne, j'enlève son bras, je vais sur mon épaule. Vous avez vu que là, j'utilise pas du tout mon genou. Maintenant, là, je pourrais le kicker, mais c'est pas le but. Le but pour l'instant, c'est de le suivre. Ok? Hier, on m'a fait la remarque. C'est Mom, je crois, qui a fait la remarque. On est là, mais le partenaire, en combat, il va se défendre. Je dis non. Donc, il va lever cette jambe-là. Et je m'en fous. Sachant que, où est-ce que j'emmène mon partenaire? Là-bas. Là-bas. Donc c'est pas un danger. D'accord? Si je suis là, je vais sur mon épaule.